Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on est avec nous sous télévision nationale d'Haïti dans le sens. Son plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Mise au point, je dis, pour nous permettre de nous retourner sur la commémoration 215 l'année indépendance pays. C'est Gonaïve, une fois encore, qui a accueilli la cérémonie officielle. Le président de la République, Jovenel Moïse, à l'occasion, vantait pour les ancêtres. Mais tout l'annoncé qui s'accapte nous comme défi. Pour l'année 2019, là, dans l'émission, on va retourner sous grande ligne discours président République, Jovenel Moïse, avec une conseillère de la question communication, Daniel Joseph, qui a accepté de répondre à une question nous matin. Daniel Joseph, déjà, bonne année. Bonne année, Serginho. Bonjour, Serginho. Bonjour, téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision nationale d'Haïti. Bonne année à tout le monde. Nous espérons que nous avons traversé l'année en bien, nous commençons l'année bien et que toutes les bonnes choses vont arriver cette année 2019. Oui, certainement, il y a de très, très grands chantiers, que ce soit politique, social, économique dans le pays. Hein, nous allons regarder pour nous comment est-ce que le président de la République, là, son excellent Jovenel Moïse, l'IT Météo en perspective, l'an discours, l'IT qu'elle a fait le 1er janvier au Gonaïf. Le palais national se porte bien? Absolument, absolument. Tout est en place. Comme on était où elle tourne le 1er janvier, hein, eh bien, tout le monde était là, les conseillers, tout le monde était là autour du président de la République pour que le 215e anniversaire de l'indépendance ait passé de manière vraiment, on va dire, normale, de t'est passé sans aucun, on va dire, sans aucun encombre. Mm. Et travail là tout, il était fait tout pour que eh bien, tout le monde, tout haïtien, que ou t'es à Haïti, que ou t'es à l'extérieur, que ou t'es capable de vivre événement ça en direct sous Radio-Télévision Nationale d'Haïti. Bon, on s'entend, on est tous là, on a tous ces chemises, nous voilà le travail. Mm-hmm. Et nous avons commencé à faire déjà, nous avons continué à faire déjà pour que eh bien, nous sommes capables de servir la population comme ça doit. Servir la population, et puisque tu as arrêté que tu es rentré, arrêté que tu as nommé plusieurs conseillers. Je dis à Raymond Capmandé, est-ce que le président Jovenel Moïse a des conseillers, puisque il n'y a pas d'autres publications officielles autour de ça. Bon, pas de publication officielle qui fait de ça, mais il y a des conseillers qui, eh bien, joignent, eh bien, on va dire, leur contrat de travail, en quelque part. Fait que il y a de nouvelles têtes qui là, tout cas, travail. Au niveau de conseiller président, ok, certainement, Serginho, il y a de conseillers que, visiblement, qu'on approuve devant caméra, qu'on approuve qu'il a, qui, eh bien, actif devant caméra. On te coupe exemple selon travail que m'a fait, eh bien, ou après même devant caméra, ou après même avec un micro, mais que de conseiller tout, on s'entend au niveau de équipe qui a réfléchi à que ou pas pour devant caméra, qui lui même tout à travail pour produire, que ce soit au niveau communication, au niveau politique, que ce soit aussi au niveau social. Chaque monde ça qui concerne eux, chaque monde dans cellule qui concerne eux, pour être capable de bien renforcer président de la République dans le travail que l'a fait. Certainement, tout le monde a travaillé pour que vision président, tu as gagné depuis la campagne électorale pour que Vision Sali atterrit dans différents ministères qui concernent. Parce que j'en connais là, président a une vision, certainement. Eh bien, stratégie a été sous pied pour que l'atterrit, certainement, au niveau de cabinet, mais au niveau de Sankaré, l'implémentation, c'est chaque secteur, selon chaque ministère que l'a fait. Exemple agriculture, exemple éducation, exemple infrastructure, exemple question de l'eau que le président a parlé. Tout ça, c'est les stratégies sont mises en place, mais l'implémentation, l'application directe, Sankaré, arriver sous population directement, eh bien, il est fait à travers les conseillers qui eux-mêmes, eh bien, ouais, ça avec les ministères qui travaillent sur le terrain. Un peu mon quoi, l'année 2018, là, c'est une année très difficile pour le palais national, 6-7 juillet, 17 octobre, 18 novembre. Il y a mon calcul, dit, c'est comme si nous avons du pouvoir être secoué. Nous parlons comme ça dans le palais, non? Non, écoutez, 2018, certainement, pas de monde qui prend le boucher géo pour dire que pas de problème en 2018. Pas de monde qui prend le boucher géo pour dire que, eh bien, il y a eu 6-7 juillet. Pas de monde qui prend le boucher géo pour dire que 17 octobre, comment que nous étions well, comment ça a été. Certainement, oui, il y a du travail qui doit continuer fait pour capable eh bien renforcer stratégie politique, le travail qui doit continuer fait au niveau communication pour permettre que eh bien communication y passe beaucoup plus au niveau population. En 2019, les grands chantiers qui prennent vie en 2019 après eh bien mettez toute équipe là à l'épreuve, après mettez toute équipe là devant responsabilité lui pour que nous continuer eh bien alimenter population en information certainement, mais en compréhension tout de ça qu'a fait tout. Parce que ça nous devine constater au niveau de équipe plan, c'est que au niveau 2018, bon travail de compréhension. Il y a l'information, on informe maintenant, mais il faut que la personne puisse comprendre aussi ça qu'a fait là. Un exemple très simple, le président de la République s'est lancé dans de grands chantiers, routes, hein, de l'eau, et ainsi de suite, mais au niveau de compréhension pour que Mounio gagne de travail, ça a eu bon travail qui méritait renforcer. Et ça fait le président Dili, eh bien, oui,
travail route l'a fait, oui, travail courant a fait, oui, travail infrastructure a fait, mais certainement, il faut que Mounio, pour la population, les joignent boucané en bouillie. Ça y aurait l'assainissement, ça y aurait des travaux à haute intensité de main-d'œuvre qui permettent que si job cap fait dans la rue, que Mounio capable de gagner l'argent, qui a circulé dans le mail, eh bien, apaisement social là, il faut que ça arrive sous Mounio. Et ça, son travail qui prend extrêmement, on va dire, visible en 2019 au niveau de l'exécutif là, qui a travaillé cap fait tout ça pour que la population joigne apaisement social là. Donc, il doit y avoir aussi ce travail de compréhension qui doit être fait au niveau de toute l'équipe, qu'on parle de l'équipe de stratégie politique, qu'on parle de l'équipe de communication, qu'on parle de l'équipe de logistique, au niveau de compréhension pour pouvoir alimenter la population en compréhension. Ça, un, d'abord en information, deux, en compréhension pour que tout le monde soit capable de comprendre eh bien, comment est-ce que vision président a atterri la vie de la population. Ça t'a dit, nous apprendre le son, nous tirer le son nécessaire pour que ça qui arrive en 2018 n'est pas arrivé en 2019. Écoutez, Serginho, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. On s'entend. Le travail de diriger un pays que le président de la République a fait là, son travail de compréhension de tous les jours que lié. Et pas grand qu'un côté, pas grand qu'un manuel de livre qu'on est capable de dire, bon, mes côtés d'écrit et qu'on est capable de diriger le concept. Donc, c'est à chaque jour, il faut une adaptation. À chaque jour, il faut comprendre la situation politique, sociale et économique du pays et décider en fonction de la situation. Ça, certainement, oui, il y a une compréhension qui a été prise. Hein? Certainement, oui, il y a deux situations qui arrivent devant le Parti national. Parti national, certainement, oui, eh bien, comprendre la situation. Hein? Parti national, certainement, oui, a réajusté en fonction de données politiques et raison pour laquelle, ou est compréhension en fait, le président a lancé le dialogue national qui, journée aujourd'hui, a fait bout de chemin, qui, journée aujourd'hui, là, pral gagner pour arriver à des résultats et certainement, oui, eh bien, président invite tout le monde à table là pour que nous sortions avec un pacte de gouvernabilité pour nous sortir un document pour capable, eh bien, permettre que le pays ça, lui prenne un route de développement. C'est sûr que nous tous, nous sommes des mounes parfaits. C'est sûr, certainement. Hein? Mais nous, là, notre travail, et nous connaissons le degré de responsabilité, nous, pour nous capables, eh bien, permettre que, j'en me dis là, vision du président atterri et population en jeune service. Il y a un monde qui croit tout, M. Joseph, il y a une plus grosse stratégie, mais c'est notre stratégie, administration, président Jovenel Moïse, c'est caravane, changement. Absolument. De toute manière, après 2021, 2022, je crois que c'est sous base ça, nous allons regarder, est-ce que le président arrive à faire ça, le faire, ou bien pas faire ça, le faire. Je veux dire, stratégie ça, l'avancée, à quel niveau lié, est-ce que nous arrivons à toucher la population? Est-ce que la population comprend effectivement car le changement c'est pour lui, c'est pour aider à améliorer les conditions ou bien c'est pas ça l'opinion arrivée cernée? Bon, tout d'abord, en nous clair que Jean dit là son stratégie. Il faut nous définir encore et nous ne pouvons pas suspendre faire chaque fois une possibilité. Car le changement pour le ministère. Caravane de changement, il n'y a pas d'institution. Caravane de changement, c'est une stratégie. Qui gagne des gens qui travaillent en dans de stratégie ça, qui ont même en dedans ministère, qui permettent que, eh bien, activation de travail, ce qui permet que le travail soit fait de manière plus rapide et pas là, où nous sommes tout de suite. C'est pour la première des choses. Deuxième des choses, caravane de changement, sont capables de remarquer que le président de la République a commencé caravane de changement dans les provinces, dans les communes. Je veux dire, on parle en monde maniche, ok? On parle en monde campérin. Soit pas là avec Mounokai, soit pas là avec des moun au niveau du département nord, au niveau du département nord, soit pas là avec moun eh bien, qui, eh bien, dans tronçon route, Kafou Joffre, qui fait commencer dans tronçon route ça. Soit pas là, moun ça, yo capable d'où yo un pack caravane changement. Yo capable d'où que yo, si yo qui salit. Soit pas là, moun abricot, soit pas là, moun les Iwa, Jodia. Yo compte sa caravane changement. Pour qui ça? Parce que travail qui pour faire côté yo, travail yo fait, yo well existe. Soit pas là, moun caravane. Qui ouais route ça qui a fait la caravane route caravane qui a coupé mon nom pour aller tomber baradère moun ça dit oui li ouais caravane changement li ouais l'a fait soit pas là on moun ziwa l'a dit oui gagner centrale électrique ziwa qui là soit pas là on moun qui marchand des salines l'a dit oui il était connu 3 heures de temps courant mais qu'il y a 14 à 16 heures de temps courant la caille donc stratégie l'a marché l'a privé maintenant en nous d'accord que dans grand bassin Port-au-Prince là dans grand bassin Port-au-Prince là où est-ce que le président eh bien, a lancé la caravane dans le grand bassin Port-au-Prince à travers différentes communes comme Cité Soleil, exemple. À ce niveau-là, nous pouvons comprendre que sur le plan communicationnel, et c'est ça qui est important pour nous comprendre, sur le plan communicationnel, le grand bassin Port-au-Prince, où on sait très bien, Serginho, joue un grand rôle, la compréhension totale de population. Les informations qui ont circulé dans le grand bassin Port-au-Prince, tout le monde comprend que eh bien, grand bassin a une importance capitale. Ce qui fait que,
Au niveau de reste pays, le travail qui a fait, de bien, communication doit accentuer sur tout ce qui a fait dans le reste pays. Car dans l'île, il continue de travailler, tout ça me société là, et grand pile l'autre quoi, qui a fait ou à travers tout le pays, travail ça va continuer de faire, que ce soit au niveau de route, au niveau de courant, au niveau de l'eau. Et stratégie, il continue à marcher. J'en dis là, à partir de 2021-2022, le ça, Jean-Président toujours dit là, la pral présenter résultat caravane, non? Hein? Pour que eh bien, tout le monde soit capable de bouler. Et à ce moment-là, successeur président Jovenel Moïse a gagné, eh bien, on va dire, le vouloir, la volonté de continuer avec stratégie, ou bien de venir avec stratégie pâle. Mm-hmm. Mais certainement, caravane, l'ILA, l'a travail. Au niveau de Cité Soleil, caravane, l'ILA, l'ILA, l'a travail. Au niveau de Grand Bassin, l'a travail. Gagné au niveau de Delma, on est capable de bouler. C'est encore une fois dans stratégie caravane. Question ça, programme ça, qui c'est, eh bien, mettez qu'à niveau, débouffez qu'à niveau, eh bien, à mettre à ce fait là, eh bien, où est-ce dans Delma? Au niveau de commune, quoi, des bouquets, où est-ce qui travaille, qu'a fait pour capable ouvrir route ça, permettre que, eh bien, route ça vienne au grand boulevard, nous, où est-ce qui travaille, qu'a fait. Donc, caravane d'ap travail, mm-hmm. Il travaille, qu'a fait pour que, eh bien, caravane arrive sous population. Arrive sous population, et c'est ça que nous souhaitons d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez voté, c'est pour que votre là qui a toujours, qui a tourné une voie sous forme de service, mm-hmm. Et pour capable améliorer les conditions de la vie. Yo. Là maintenant, question. Vous parlez d'ensemble de zones, côté travail avancé, zone tout travail doué rivé. Mais bientôt 2 ans pour le président Jovenel Moïse, qu'est-ce qui a véritablement changé en Haïti? Qu'est-ce qui a véritablement changé dans la vie Mounio avec l'administration qui est en place là, Daniel Joseph? Je prends le même exemple avec vous. Ou prend les Iwa qui n'ont pas de courant du tout. Ou prend comme nous les Iwa. C'est pour le pays, reculer. Hein? Je ne veux dire là, les Iwa, ils ont gagné en l'autre vie. Il y a même pas l'eau de on parle de vie nocturne dans coin, ça veut dire que t'es courant côté ça qui va le faire que va gagner d'autres activités qui va arriver là avec courant électrique, hein, l'eau prend marchand des salines, eh bien moun sa yo tout. Donc ça veut dire que gagner situation des moun yo changer. M'a pour l'exemple, par exemple là avec vous, on nous garder li pou ko fini, mais on garder travail qu'a fait sous quoi des bouquets pour ouvrir route là. Bon, ça très bien, yon route en dans communauté que ça veut dire ça. On nous garder qui qualité, qui quantité de blocage qui qu'on gagne sur route ça. Le travail ça va le finir, ça va arriver. Ça va arriver. Eh bien, moun qui va prendre pointe tronçon ça, qui sorti bon frontière pour capable arriver, eh bien en dans bonne pression, pour capable ouais qui facilité qui va gagner là-dedans. Mais là, automatiquement que gagne facilité de circulation, eh bien on va prendre d'accord tout question économique pour entrer là-dedans. On va d'accord tout transfert transport de marchandises, il va faire plus facile. Ou pral d'accord tout au niveau de transport de passagers, li pral fait plus facile. Ou pral d'accord tout au niveau économique, pral gon essor économique dans courant. Donc, faut nous clair. Situation pays de le président Jovenel Moïse Jeune à jodi, te mandon coup de fouet. Te mandon gros coup de fouet pour que eh bien gagne yon action qui fait sous axa yo, route, de l'eau avec courant. Maintenant, jodi action ça yo k'ap fait là, yo pral permettre que la vie mounio yo pral changer à court et à long terme en fonction de travail ça yo que me parler là l'on prend route tant que l'on prend moun maniche exemple qui pas gagne route du tout et moun nan dit comme ça que l'on sorti maniche pour te rentrer en bien sur route au cas là pour te rentrer là et gagne là pas de consulta privé maintenant jodi en route ça il pas qu'on fini mais la fête et l'on fini ou qui est sur économique qui prend le gain sur la vie mounio. Changement économique là, changement la vie mounio, c'est là le prend arriver. Maintenant changement immédiat que n'a pas lié que tout le monde net a attendu ça. Nous comprenons comment. Il y a tellement de choses à faire dans ce pays que l'on moun rive dans tête l'état à toute population tellement gros Serge Junior, tout le monde comprend que du jour au lendemain situation a changé. Mais il est impossible. Pourquoi? Parce que nous gain 60 ans à faire ça à faire. Nous avons 60 ans que nous pas construit rien. Mais donc, comment faire pour changer la vie des gens en 24 mois? L'aime dit changer, ça veut dire que fait que nous sortons dans une situation économique telle, pour une situation économique telle, il n'est pas privé, tout autant que nous ne pas mettre les bases qu'il faut pour pouvoir changer leur vie. Les bases qu'il faut, c'est les routes, nous dit le clair. C'est question de l'eau potable et question courant qui permet que nous avons commencé à jouer un changement. Par exemple, si nous pas de courant, en deux d'un pays, comment faire pour attirer investisseurs qui prennent vie dans le job pour faire un job, pour capable permettre d'occuper tête, occuper petit tout. En attendant. Donc, je dis,
la situation du pays commence à changer mm-hmm. en fonction du travail ça yo qui a fait et qui doit aboutir. Maintenant, pour aboutir, on grain raison qu'a fait aboutir. On seule possibilité pour aboutir, c'est la stabilité. Tout autant que nous pas stable pour que nous travaillons pendant, on va dire, 48, 60 mois consécutifs en nos mandats, tout autant que nous avons un mandat en d'un pays, il n'y a pas qu'à concentrer sous vision électorale qu'elle t'a présenté, projet électoral qu'elle t'a présenté, programme électoral qu'elle t'a présenté, projet de développement qu'elle t'a présenté, il n'y a pas qu'à concentrer sous lui parce que la stabilité politique est là. Il n'y a pas qu'à concentrer sous lui parce qu'il y a un problème tout le temps qu'il faut gérer. Eh bien, ou à clair avec moi. Pas qu'un pays qui a marché comme ça. Qu'est-ce qui a créé condition ça? Qu'est-ce qui a créé cette stabilité ça? D'abord, au niveau de l'exécutif là, oui. C'est au niveau de l'exécutif du président de la République, de toute l'équipe, exécutif à deux têtes, nous connaissons déjà, au Parlement, au niveau des trois pouvoirs, pour capable de mettre les éléments pour créer une bien stabilité politique, ça, pour permettre que stabilité ça existe. Mais au niveau de toute classe politique, là, tout, Serginho. Parce que nous connaissons très bien, démocratie parfaite sans opposition, ce qui est normal. C'est ça la démocratie. Il doit y avoir une opposition. Mais quelle opposition? Est-ce que c'est une opposition qu'il a pour créer instabilité? Est-ce que c'est une opposition qu'il a pour créer des ordres? Est-ce que c'est une opposition qu'il a pour faire qu'un yé pas jamais capable de gagner en continuité dans le pays? Ou bien son opposition qu'il a pour offrir une opposition de construction, une opposition de critique objective qui pour permettre que la population en lit que y a des gens qui ont veillé à Xafel. Parce que l'opposition, c'est ça là pour faire. C'est veiller à l'exécutif là pour faire que sortez du faire pendant la campagne électorale là, m'a veillé pour marcher droite pour faire. C'est ça qui est l'opposition démocratique là. Et m'a préparé tout. Pour sous pas faire la prochaine élection pour me dire population voici le cahier mais cahier mais soit tu t'as fait ou pas faire je dis à moi-même moi j'étais dans l'opposition pendant 5 ans me viens demander au vote tout parce que le tête il t'a fait ça il pas fait moi-même pas le faire dans tous les pays du monde la démocratie fonctionne comme ça sauf Boïcite là l'idée c'est il faut que le pays soit bloqué pour que moi capable de sembler on leader politique non et si c'est comme ça mentalité aïe ou capable bon exécutif qui crée conditions ou capable bon parlement qui a fonctionné qui veut créer conditions de stabilité yo. Mais si gagne des monde qui pas croire dans stabilité politique pour que pays a développé ou pas jamais capable continuer avec projet de développement yo, et mettre les bases pour changer conditions la vie moun yo. Et ou toujours dans coller pièce ou toujours dans mettre pansement hein et ça toujours n'a toujours non éternel recommencement et à ce moment-là Ou pas même poser cette question, non? Ou pas toujours comprendre que condition la vie, mais comment la pied? Par rapport à qui ça? Par rapport à ce que nous pas de capacité ou bien nous pas de créer stabilité politique pour que les projets de développement soient capables de faire. Mais de toute manière, c'est à l'exécutif là, quand même, pour créer toutes conditions à Abdilao, pour le faire, même un qui t'a capable d'être plus radical, vin chita, vin discuter, vin dialoguer. Pour finalement, projet de développement, on a parlé là-haut, capable d'atterrir. Parce que la population, même c'est ça l'attend, c'est pour conditions l'améliorer. Certainement, Serginho, regardez, pendant 2 ans, président Jovenel Moïse, là, entendons, qui moun qui est capable de dire qu'il a subi persécution politique? Pendant 2 ans, président Jovenel Moïse, là, qui moun qui est capable de dire que président Jovenel Moïse n'a pas parlé avec elle? Président Jovenel Moïse parle à tout le monde. Il parle à moun que, littéralement, ouais. Ça veut dire que des grandes réunions dans le palais national côté que qui rend public qui médiatisé mais il parle avec moun tout des rideaux il parle avec moun tout qui pas ko pas ouais mais moun qui va d'accord avec lui il parle avec tout moun il parle avec tout moun et tout moun il y a des moun il y a certainement il y a des gentlemen dans le pays là qui cap fin parler là avec chef you qui cap fin parler à autorité et puis vous parlez d'accord. Il y a la question de que le pays a de stable, ainsi de suite. Et puis, quand on déplace le politique à faire, il n'y a pas de contre la voie du tout. Non, moi-même, depuis qu'il n'y a pas de contre la voie du tout. Alors que, eh bien, dans le couloir, on débat, nous sommes d'accord que c'est Haïti. C'est seul Haïti, c'est Haïti nous, on va mettre ensemble président, on va mettre ensemble ministre, c'est pour Haïti. Mais quand on sort dans les médias, non, on ne va pas parler à la question. Donc, qui comporte tout le monde ça? Est-ce que c'est pays qui voulait faire? Oui. Ça arrive déjà? Jodian, il est clair que vous avez responsabilité que chaque grain de monde doit prendre dans créer Haïti. Dans créer Haïti, faire politique par le dit marronnage. Faire politique en bon pays, par le dit qu'on parle un mot. D'ailleurs, faire politique doit un niveau de noblesse pour comprendre que c'est la population qui a servi. Donc, je dis, Jean-Mendoulien, eh bien, condition, vous avez gardé bien. Président Jovenel Moïse toujours travaille pour condition de stabilité à créer le Québec.
président Jovenel Moïse choisi un monde qui était cinquième dans l'élection derrière lui pour premier ministre avec lui. Qui l'a quand en face là? En attendant, qui plus bel exemple, hein? Qui plus bel exemple d'harmonie, qui plus bel exemple de d'abnégation capable de dire, qui plus bel exemple de compromis qu'un chef l'État capable de voir pour montrer que, écoutez, moi-même, moi voulais stabilité politique dans le pays pour un grand objectif, un seul objectif, permettre que le projet continue pour atterrir. Parfait. Avec Daniel Joseph Maté, on a mis au point sous télévision nationale d'Haïti. Prétexte émission, c'est commémoration 215 années d'indépendance pays. C'est intéressant pour regarder la réalité par les nationales journée aujourd'hui, par rapport à gros projet, par rapport à stratégie avant le changement. Là maintenant, on va aller avec Hector Sylvain pour reportage, collaboratrice nous, Sabine Jean-Étienne, qui est préparée sous cérémonie officielle dans la ville Gonaïve, 1er janvier qui se passe. Commémoration 215 années d'indépendance pays. Déroulé dans ville Gonaïve sous ce dialogue avec la paix. Une série éléments Haïti a besoin pour avancer pendant l'année 2019 là. Population qui sorti tout côté pour venir dans rendez-vous fête indépendance là, t'es qu'à admirer défilé traditionnel fanfare palais national là avec plusieurs unités dans police nationale là. Magistrat ville Gonaïve là Nel la Tortue montrer les satisfaits pour une série projet qu'a exécuté en dans commune là pendant lui expliquer rete en pile j'effort pour administration Moïse c'est en fait toujours dans cité indépendance là. Merci à président Likembe promesse carnaval là pour Gonaïve année ça. Mandé pour nous un gros bravo pour président. Et n'a dit président après champ de mars sous question internet là. Et mes places d'amnan, ou ka vini là, gen internet là-dedans. Nous-mêmes à Konatel, Zedua, la mairie, nous t'étais avant en forme. Encore une fois, merci, Excellence. Nous profitez-y que nous satisfaits pour 10 km route à tout cas niveau qu'a fait, grâce à financement l'État central là. Pour ça, nous voulons dire que même si nous t'avons avancé plus vite, nous considérons que portion route là, avancé, c'est un bagage appréciable. D'ailleurs, de notre côté, nous avons nous aussi mis la main à la pâte au cours de l'année 2018 avec l'aide de la Direction départementale des travaux publics, TPTC, qui a pu réparer de nombreuses rues de la ville, construire un pont à tout couleuvre et toute une série de canaux d'évacuation des eaux pluviales. N'a pas rappelé, Président, notre promesse était faite tout depuis notre campagne pour y construire complexe administratif là. Pour lui faire dragage et aménagement port, pour lui lancer travail à l'aéroport, et plutôt pour lui pas oublier boulevard que tout le monde naïve attend. Pour l'année 2019, le président républicain Jovenel Moïse, conscient de tout défi qu'attend l'administration dans tout domaine, il une série de défis qui ne peuvent lever si pas un dialogue, transparence et bonne volonté de bon côté chaque haïtien. Il faut que nous prenions courage nous, à demain. Pour nous mener une question difficile aujourd'hui. Question d'un coup, affaires au chômage, insécurité, impunité, la vie chère à corruption. Pour nous faire la paix à tête, nous, il faut que bon gens vérité blaye sur les ressources pays à utiliser. Notre travail pour nous attaquer les problèmes infrastructures qui empêchent le pays d'Haïti de produire plus, qui fait presque tout ça nous besoin. C'est acheter dans l'acheter l'autre bord de l'eau ou bien l'autre bord frontière. En pile dans haïtiens qui participent au pays, les arrivés dans l'autre pays, c'est KI al KI, produit agricole. Les arrivés dans l'autre pays, c'est travail qu'ils ont fait ici qu'ils ont fait l'autre bord de l'eau. Si nous ne mettons pas tête nous ensemble, mettez tout ça qui divise nous sous côté pour nous faire un combat côté l'État, agriculteur et industriel pour te coller, pour nous produire richesse dans le pays. C'est peut-être ça, l'engagement que nous prenons côté nous demander Premier ministre pays depuis le mois de novembre pour engager bon genre dialogue avec toute force vive pays.
Dialogue qui doit chita sous confiance. Dialogue qui doit chita sous sincérité. Dialogue qui doit chita sous progrès que tout le monde a demandé dans le pays aujourd'hui. Après commémoration 215 l'année indépendance PIA qui mettait Gonaïve à l'honneur, 4e ville PIA pral recevoir dans jou kap vinyo carnaval national là, yon activité socio-culturelle qui gen tou yon gros poté économique. Voilà pour le reportage collaboratrice Sabine Jaïtienne, merci toi Jean-Daël Duvalet qui t'a accompagné. Alors, est-ce que cérémonie te répond à dimension événement 1er janvier 2019, 215 années depuis cette note bataille pour bonne indépendance, Daniel Joseph. Bon, écoutez, Ouéli, son cérémonie qui était relativement, on va dire, relativement simple, avec deux discours et puis des filets de bataillon. Certainement, il y a des institutions tant que FADH, tant que l'armée d'Haïti qui remobilisé et qui était pour que eh bien li gagne unité lio qui gagne qui pour reconstruire hein, avec les recrutements et tout ça et où qu'on est li depuis dès qu'on parle de 1er janvier on parle de l'armée indigène hein, on parle de l'armée indigène c'est yo qui était goumé eh bien qui était banou eh bien 1er janvier donc l'armée c'est cette armée là eh bien l'armée ça a toujours gagné de gros démonstrations que li fait 1er janvier mais pas nous là comme li remobilisé et que les unités y a mettez en place une après l'autre, nous attendons ça. Et certainement tout au niveau de discours président, que nous avons bien certainement pour nous parler tout à l'heure, au niveau du discours président, où est comment est-ce que eh bien, président mettez en place, l'été mettez en perspective, scénario 1er janvier, hein, comment ça a été arrivé fait avec Zancetio et comment et qui côté nous pourrait aller avec cela et responsabilité nous. Oui. Nous connaissons que eh bien 1er janvier a gagné des ça veut dire gagné d'autres extravagances peut-être qui t'a fait dans lui certainement mais pour aujourd'hui là ça moi-même je capable constater par rapport à connaissance historique pam m'a parlé de Daniel Joseph par rapport à connaissance historique pam Jean 1er janvier t'es connier c'est surtout eh bien au niveau de la parade au niveau des différentes actions ou bien des différentes démonstrations prestations que eh bien force armée d'Haïti qu'on fait le 1er janvier on songe ça nous même le dit mais comme étant donné que bien notre armée est en train de se reconstruire on attache que eh bien dans les années qui viennent certainement avec l'armée indigène on va dire l'armée de la République d'Haïti qui va être quasiment effectif campé sous des pieds li n'a gagné beaucoup plus de démonstrations. Mais ça Gonaïve là parler d'un ensemble de projets administration a pu exécuter et dans ville li et gagné bah tout quoi t'a mérité fait gagné bah quoi tout t'a mérité renforcé et ça attire attention non certainement puisque caravane changement dans Gonaïve gagné 15 km de route qui a fait dans toute ville OK et qui prend le bail un certain nombre de monde travail au niveau que 15 km de route si me pas tromper moins et gon nombre tout de cas niveau qui a fait en dedans ville gagné différents pompes qui a installé dans toute vallée pompe solaire c'est pompe qui pour capable bien irriguer de l'eau c'est ça président Paléa question de bail de l'eau pour boire avec bail monde de l'eau pour faire jardin et bien gagné on quantité pompe qui va l'installer en dedans vallée gagné trois déjà qui installé au niveau vallée d'ailleurs président a visité une après cérémonie c'est sous pont Gaudin lié et pompe ça yo yo permettre que mes paysans qui dans vallée la Tibonite paysans qui dans ville Gonaïve yo capable joindre de l'eau pour yo capable et bien faire jardin d'abord et différents travaux certainement oui quand pile notre travail encore pour faire ouais, magistrat parler de aéroport hein magistrat parler de différents autres travail encore boulevard. De boulevard là on a parlé de ça tout li bon li parler de carnaval là qui parle nécessité tout on parle on pas de travail qui fait dans ville là pour capable accueillir des millions de cavaliers et carnavaliers qui viennent donc tout ça Lionel mais en nous clair toujours et n'a toujours insisté sur lui pour sa fête pour travailler ça capable faire en dans ville Gonaïve il doit y avoir une collaboration, un dialogue permanent entre les Gonaïviens et Gonaïviennes, entre les élus Gonaïviens et Gonaïviennes, entre les autorités de Gonaïve et l'État central, et yon garantie de la stabilité politique dans la région. À ce moment-là, où sûr et certain que le travail ça va pas fait, mais si pas rien ni travail ça on nous comprendre comment que travail ça y a biaisé, travail ça camper dans route, gien pas pas fait, gien pas rien fait. Donc il est nécessaire ou impératif pour que eh bien tout le monde net travaille ensemble pour que moun Gonaïve capable bénéficier que ces bénéficiaires de 15 km de route ça que m'a parlé à qui va permettre que moun sorti dans poussière, sorti dans la boue, que ces bénéficiaires tout de retomber carnaval là pour porter baï Gonaïve en termes économiques.
Président République, là, dans le discours, dans l'extrême sur le gardien, il a dit qu'il y a des décisions difficiles. Et un peu le discours, président, toujours parler de décisions difficiles qu'on obligé de prendre. Et ressources d'État, il faut comprendre qui les gens ont dépensé. Mais il y a un monde qui t'attend que mentionner Petro-Caribé. Pourquoi ce choix? Oui, mais écoutez, Petro-Caribé, le président a déjà donné le ton dessus. On parle du président de la République qui a déjà donné le ton, qui a déjà donné toutes les instructions qu'il faut. Et les actions sont faites. Ou là avec moi. Tout bloc arrêté, résolution Petro-Caribé, vous sorti. Vous changez ça. T'as dit tout le monde ouais, de le Petro-Caribé commencé à l'ol camper à partir de 2016 là. Président Jovenel Moïse, pour que j'aime pour résolution Petro-Caribé. Donc, livre l'on sorti. Liste de compagnies qui jouent un contrat dans Petro-Caribé, li sorti tout. Liste ça sorti. Donc, je ne dis pas, président lui-même, il continue à travailler. Il revient maintenant à l'autre institution qui l'enchaîne là. Pour être capable de mettre en application à l'instruction. Certainement, oui, le président a vérifié, a veillé à ce que l'instruction que le bail pour le procès Petro-Caribé, que l'instruction ça a respecté à la lettre. Mais le président, je dis, dans le discours, eh bien, où est ça? Où est le président? Mais il prend le niveau de président que l'IA, qui c'est qui ça? Qui c'est le rassembleur? C'est lui le rassembleur, c'est lui qui doit lancer signal de, on va dire, de vivre ensemble à tout le monde. Mais c'est lui-même tout qui doit permettre que chaque Grenadien ait une compréhension claire et nette de qui sa 1er janvier veut dire et qui responsabilité chaque Grenadien nous par rapport, un, à pays nous, que nous gagnons 1er janvier pour l'IA, mais deux, à reste du monde que nous te baille signal de liberté ça là. Parce que nous toujours dit 1er janvier, 1er janvier, 1er janvier, n'a pas l'estomac nous. Nous, c'est le premier peuple noir du monde. Mais nous avons une responsabilité par rapport à nous, en tant que peuple. Mais nous avons une responsabilité tout par rapport au monde. Là. Puisque, je dis, le monde a toujours gardé Haïti comme premier pays qui était campé, qui était dit non à l'esclavage. Maintenant, quel est Haïti? Qui est Haïti que nous avons dit là? Ça ne fait peut-être avec l'État et ça. Absolument. C'est est-ce là que nous devons montrer nous à la hauteur de héritage ça que les ancêtres ont quitté. C'est là que vous sentiez que le président, eh bien, lui posait question à chaque compatriote, à chaque frère seul, que ça va vivre ici, que ça va vivre l'autre bord, pour le demander, osons agir pour que nous semblions à grosse action ça que les ancêtres ont été posé, eh bien, 18 novembre, là, au bat l'armée française, et puis 1er janvier, ils ont proclamé l'indépendance. Maintenant, comme c'est lui-même qui a entraîné à la Rudia, oui. Il est invité pour que la suive le que, ben, et tout le monde souterrain a fait votre là et a mené dans la direction sans cette souhaiter. C'est ce qui est tout à fait normal. C'est lui, Jodian là, qui s'est rassemblé à moins de lui déjà. Mais Jodian là, lui-même, il a gagné un discours. Il a gagné prêche là. Et on comprendre que lorsque le président de la République qui osait dire, écoute, nous tous coupables, en attendant, ça veut dire que son président de la République qui mettait la situation devant nous toutes. Pour le dire, eh bien, moi-même, en tant que président, je prends responsabilité, je dis en tant que chef d'État, je dis, je prends flambeau, je mets stratégie à terme, je viens avec vision, mais nous, toute la donne pour nous capables de bailler pays ça, on l'autre route. Je dis à là, c'est président, certainement, c'est l'entraîneur, mais chaque grain joué sous terrain doit jouer partition par eux pour que 1er janvier, d'ici, on nous dit, chaque 1er janvier, nous arrivons et puis nous faisons même constat. On nous dit que, à partir de 2019, là, Jean-Président dit là, c'est l'année des grands chantiers, c'est l'année d'un dialogue franc pour que nous parlions l'un avec l'autre et dit ça n'a pas avec le pays, ça, que les ancêtres ont sorti un coup de fret, puis ont été banouins. Eh bien, le président, lui, prend l'avant-garde, il était à chaque grain de joueur souterrain qui s'est haïtien pour être capable de jouer partition par eux. Maintenant, c'est la formule, c'est comment trouver, parce que nous toujours parler de fond de chita, fond de dialoguer, fond de discuter. Mm-hmm. Chaque premier jour, il y a des gens qui ont dit que c'est un mais qui côté Haïti, ou te souligné d'ailleurs, si liberté, le dit ça, le dit, c'est parce que nous te font révolution. Absolument. Ici. Mm-hmm. N'est-ce pas? C'est une révolution plus originale par exemple, faite sur l'humanité. Nous devons remettre l'ordre mondial en question en 1803 et qui menait à la proclamation indépendance le 1er janvier 1804. Mm-hmm. Mais au fait, c'est qui ça, je dis, à formule, qui sa stratégie a yé, pour que nous ne pas besoin à chaque 1er janvier à retourner sur le SAO, et pour finalement, nous arriver à faire pays après ça, ça le faire. Stratégie à l'ISEP, c'est, si tu as parlé ça, c'est tout le monde qui vous l'a donné. D'abord. Comment faire tout le monde la donne? Faut, problème, non, faut tout le monde la donne. D'abord. Maintenant, l'homme dit faut que tout le monde la donne, ce qui veut dire tout le monde net, et pas que vous avez haïtien, pas que vous que Haïti prend route développement, que Haïti prend route stabilité, que Haïti prend route
pour que eh bien petit li eh bien yo joine manger pour yo manger yo joine travail pour yo faire non pas comme moun pas d'accord mais nous pour que pas de gouvernabilité nous pour que chita pour définir pour nous dire ça lié je dis en stratégie on parler là il faut définir qui ça nous voulait qui ça nous voulait qui côté nous braler et qui moyen n'a bail tête nous pour nous joindre c'est ça la stratégie doit être aussi c'est que ça maintenant l'aime dire c'est que ça il paraît simple mais il compliqué aussi pour que les forces en présence qu'on parle des forces économiques des forces politiques qu'on parle des éléments sociaux aussi que eh bien différents monde qui dans société haïtienne différents secteurs différents groupes que société haïtienne que n'a parlé de politique que n'a parlé de économie que n'a parlé de classe intellectuelle là que n'a parlé de université que n'a parlé de même médias que n'a parlé de organisations de société civile que n'a parlé de groupes qui organisent que n'a parlé tout de organisations populaires chaque monde gagne mot parole pour dire dans livre ça que nous devons écrire ensemble et puis pour nous définir date par date ou bien l'heure par l'heure ou période par période qui côté nous y est, qui côté nous aller. Et si nous te fixons des objectifs clairs pour nous dire, écoutez, d'ici 6 mois, nous devons là, et nous regardons pendant 6 mois, nous ne sommes pas arrivés là, qui s'attend à arriver? Il faut nous corriger pour nous avancer. C'est ça qui parle de gouvernabilité. Que nous parlé. Et, pacte de gouvernabilité, ça. Il y a un pile qui comprend que le dialogue là, c'est un dialogue politique. Non. On n'est pas capable de dire qu'on va faire un dialogue politique. Hein? Et puis, pour ne pas regarder l'économie qui s'allie. Pour ne pas regarder la distribution de richesse là, en de pays, est-ce que l'équitable, comment lier? Et comment on va le redéfinir? D'ailleurs, en nucléaire, on a regardé comment est-ce que, comment écart là, entre les différentes classes, les classes sociales. Donc, ça veut dire que la distribution de richesse, il y a question à se poser là-dessus. Comment question sociale là, quels sont les verrous sociaux? Quels sont les programmes sociaux? Comment y est? Est-ce qu'il y a marché? Est-ce qu'il y a institutionnalisé? Est-ce qu'il y a des lois qui mettaient en place pour tout le monde connaître que, écoutez, les programmes sociaux, mais qui ça y est directement? Est-ce que c'est à chaque année, on a gagné pour nous remanier en fonction de telle situation politique ou bien en fonction de telle notre contexte économique social. Non, tout ça rentre dans le pacte de gouvernabilité. Si nous pas capable mettre en place, eh bien, en dans le pacte de gouvernabilité ça, y a un dialogue politique, y a un dialogue économique et y a un dialogue social. Nous pas arriver trop loin avec. Oui, mais en fait, un peu le monde cap sur là, d'accord, dit nous toujours qu'on ça ne pas vle, même pas forcément qu'on ça ne vle. Et histoire de ce pays a prouvé ça, Daniel Joseph. Et nous sommes le président de l'État-Campé, l'État-Généraux, sectoriel nation, il y a des personnalités qui ne peuvent pas parler, parce que X là, Y là. Donc, vivre mettre les gens ensemble, je dis, en Haïti, ça va être difficile. Le vivre ensemble est fragile dans ce pays. Ça, même demandé tout à l'heure, c'est qui sa formule, est-ce que mon secret, est-ce que le président a un secret ça, pour que même les gens qui sont capables d'être plus radical par rapport à l'administration, au moins d'accord, ils me disent, mais ça ne me pas souhaiter, mais ça me donne rien. Même si je ne suis pas d'accord avec mais ça me l'a souhaité. Alors, est-ce que forme ça? Est-ce que secret arrive à ni au niveau de l'administration Jovenel Moïse? Toutes les conditions à mettre en place pour que tout le monde vienne dire ça au parlement ou ça au parlement mettre comme grain de sel. Maintenant, j'ai moins dit au début, chaque grain de monde qui est dans le système, tu as remis Haïti bon l'autre figure. Tu as remis que 1er janvier, nous avons livré dit l'autre bagaille. Maintenant, c'est responsabilité pas chaque grain de monde. Pour que vienne mettre, eh bien, élément paillot en dedans dialogue là. Mais est-ce que ça a pas empêché que la grande majorité continue à parler? Non, m'pas quoi. Dans la construction société que nous voulons gagner, hein, eh bien, par le fait que il y a peut-être un groupe ou deux groupes qui pas décidé de venir, on m'a pris un exemple tout simplement banal comme ça, et que la grande majorité a dit que ah, eh bien, la campagne ne va pas continuer à parler. Non. Dans tous les pays du monde, toutes les autres sociétés du monde, ils ont décidé de construire leur pays en fonction de majorité A qui définit qui ça veut pour pays A. Et automatiquement que majorité A définit qui ça veut pour pays A, pacte de gouvernabilité A l'est sorti, calendrier A l'est sorti, et bien action commence à faire, et bien changement commence à appliquer réellement dans tout l'autre pays. Tant que frère nous a côté à la Dominique, hein, qui t'a décidé que en dedans pacte de gouvernabilité de 25 ans mais c'est un dépassement que fait mais un dépassement dépasse et ben dépassement ça doit faire au niveau de la grande majorité il faut ce dépassement ça doit arriver et ça doit arriver pour pays nous pour chaque grain de monde qui vient dans le pays ça doit arriver nous pas un choix nous pas qu'un autre choix encore hein en 2019 je dis hein, pays d'Haïti monde dans pays ça qui c'est des élites de ce pays élite économique élite intellectuelle élite politique ils n'ont plus le choix il faut que yo défini yo plan pour pays ya, et mettons calendrier pour que on n'est pas venu parce que ça a passé bien intérêt les changer donc il doit y avoir ce plan et ça
li impératif parce que sinon nous tout ouais comment est-ce que situation y est journée aujourd'hui à la pour la grande majorité 3 millions moun ka vivent dans situation très précaire eh bien en attendant nous non est-ce que ou croyez que si nous pas dégager nous pour nous fonger pour moun sa yo ka plus ou moins sorti la situation côté y a là moun sa yo à un moment donné il a fini par casser contre là et là ça réflexe moins ouais des moun dans pays y a fait après 6 7 réflexe moins ouais des moun dans pays y a des gens qui ont qui des business dans pays y a c'est mieux monter plus haut en attendant nous connaissons déjà la colère de la population pas gain 4000. Je dis à ces responsabilités, chaque monde dans le pays, qui a même gagné un poste quelconque, qui a même son leader quelconque dans la communauté, pour y'a chiter ensemble, pour y'a définir dans la loi, certainement, en deux constitutions, certainement, pour y'a définir un pacte de gouvernabilité pour permettre que moun sa yo, même si ce n'est pas tout de suite que la vie a changé, mais au moins y'a un espoir. Que il y a des gens qui travaillent pour changer les conditions de la vie dans 5 à 10 ans. Parce que là, après la mort de Saline, je crois que le projet a campé. Exactement. Et depuis là, ça n'a pas vraiment un projet qui vous a adressé des défis, que ce soit la santé, l'économie, l'éducation. Est-ce que nous croyons avec le dialogue ça, nous sommes arrivés là à un véritable projet national, j'en ai à côté au TFL, et l'impact, la volonté de la nation. Ce n'est pas si nous sommes arrivés là, nous devons arriver là. Nous n'avons pas le choix. Votre optimiste. C'est pas optimiste, l'optimiste, c'est la situation qui le prouve. Oui. C'est la situation. C'est la manière dont les verrous. Il y a difficile, vous avez besoin de lui. Oui. Vous avez une décision difficile. Mais voilà, difficile. Nous devons arriver là. Pays a difficile, décision difficile, nous devons prendre. Parce que si on ne prend pas, je vais vous dire. Tant que ça, de boule danser, ou d'accord? Mais d'accord avec oui. Mais écoutez, tant que ça, de boule danser, moi certainement, d'accord avec oui. Mais au moment où on est capable de faire du tout. En nous clair. En nous clair que. Monsieur et dame qui était banou mo sauté ça hein yo banou le 1er janvier 1804 yo pas t'attendre que c'est pas ça que tes plans de développement c'est pas ça que tes projets de société a yo te croit que tout le monde était capable de travailler sur mo sauté a pour tout le monde capable eh bien jouer une possibilité pour yo vivre je ne veux dire là au bon situation côté que les écarts économiques entre les différentes couches sociales sont énormes grand pile disparité ou grand pile disparité maintenant je dis mon qui gagne cobla je dis dans pays d'Haïti qui va le faire cobla côté le travail pour faire cobla en Haïti ou d'accord avec moi il d'accord il travaille en Haïti que cobla il fait dans différents secteurs en nous d'accord mais je dis ou pas le dire moi que moun ça il y a possibilité pour prendre avion pour aller OK d'accord pas de problème mais si moun ça pas créer conditions pour que gros habitation que il gagne et il pas créer conditions pour que moun qui autour de habitation que il gagne c'est pas garder la garde habitation pour gon haine contre habitation c'est pas garder la garde habitation pour gon bagarre dans qui dit moun ça c'est cap craser pays ça cap manger pays c'est moun ça qui fait que jodi a pas ca manger c'est pour créer condition pour que moun la garde habitation c'est protéger pour être qui ça parce que en tant qu'industriel ou en tant que businessman ou en tant que moun qui fait comprendre dans pays ou permettre que moun qui autour de ou li gon mieux être mais comment la fait c'est le que condition yo réuni pour que moun kan bayo yo jwenn travail yo kapab travail yo kapab jwenn des projets sociaux qui kapab toucher yo redistribution de richesse a li fait mais s'il pas fait jam dou lan en nous clair c'est dans toutes les sociétés du monde que ça arrive Haïti pas exempt la donne l'orgueil on trop grande disparité entre les couches sociales la mener en explosion en nous clair avec ça jodi an jam dou la c'est pas question de comment on va le faire, c'est pas comment. Li doit fait, nous doit chita parler, li impératif pour que les gens de notre société, les gens qui dirigent notre société, chita parler pour définir un pacte de gouvernabilité. Moi bien dit, même si 3 millions de moun sa yo qui dans situation précaire là, yo pas koué clairement avec des actions parce que ça li gon temps la prend, mais au moins il y a senti un bon espoir, deux bon apaisement social qui a privé sur yo, mais ça l'a fait comment? Si là nous toutes nous décidons, nous dit écoutez, nous allons faire les 20 à 30 prochaines années, mais ça n'a pas fait un dedans pour arriver sous population, et que tout le monde est d'accord pour que par un monde ou bien un secteur à un moment donné qui décide eh bien créer stabilité dans le pays, parce que lui-même lui pas intérêt, mais ce qui est pas là en donne. Je dis, l'intérêt collectif est énorme,
il faut que le pacte de gouvernabilité, il faut que le dialogue là, débouche sous le pacte de gouvernabilité pour que le pays apprenne l'autre route, pour éviter ça, nous, de la façon là. Parfait. On a regardé le défi qu'a nous pour Anissa, l'année 2019, là, qui fait que les barrières, avec l'excessa, président républicain, Jovenel Moïse, dans le cadre discours prononcé, Gonaïve, 1er janvier 2019. 2019 est une année décisive pour la nation. C'est l'année du dialogue constructif inter-haïtien qui doit aboutir à une entente nationale que nous appelons de tous nos voeux. 2019 est une année électorale, l'année au cours de laquelle nous allons réaliser des élections libres, libres, honnêtes, démocratiques et transparentes pour renouveler notre attachement aux principes démocratiques et à la stabilité des institutions républicaines. 2019, c'est l'année où le Parlement devra statuer sur le principe de l'amendement de la Constitution. C'est aussi une année de lutte acharnée contre la misère et la précarité. C'est pourquoi je demanderai au Parlement de voter le budget 2018-2019, véritable outil pouvant faciliter l'apaisement social et la relance de la production nationale et l'agriculture. 2019, c'est l'année de l'entente sacrée, de la concorde patriotique, qui nous permettra de récupérer les morceaux de fil et de tissu que Catherine Flon nous a légués pour recoudre chaque composante de la nation, la rendre plus inclusive, plus juste, plus prospère et plus solidaire. C'est l'année au cours de laquelle toutes et tous, filles et fils d'Haïti, héritières et héritiers de nos ancêtres, sans distinction aucune, ensemble, nous allons nous engager à redresser la BAC nationale afin de concrétiser la prophétie de Toussaint Louverture. Souvenez-vous, les racines de la liberté sont profondes, nombreuses et vivaces. Fructifions nos efforts, galvanisons nos énergies dans l'intérêt de chaque Haïtien, chaque Haïtienne et dans l'intérêt d'Haïti. Et cela, dans chaque habitation, chaque section communale, chaque quartier, chaque commune de la République. Aujourd'hui, cette liberté doit être économique et culturelle, afin que chaque Haïtienne, chaque Haïtien puisse vivre dignement ici en Haïti, si telle est sa volonté. Haïtiennes et Haïtiens, j'en appelle à la responsabilité de toutes et de tous. Haïti est à chacun de nous. Montrons-nous à la hauteur de ce digne héritage. Nous aspirons à un pays plus juste, plus équitable, plus fraternel, plus productif et définitivement orienté vers le progrès et le mieux-être. Frem ak sem yo. Pour l'année 2019 qui commence aujourd'hui, en nous mettant main nous ensemble, en nous songeant tout sacrifice dans cette nouyo, sacrifice qui a été fait pour Kalib, ça doit inspirer nous. N'ayons l'esprit de solidarité, ça doit faire nous comprendre, nous c'est une seule famille. Ça doit dire nous, pour nous mettre main, pour bâtir un Haïti qui fait fierté des ancêtres nous, fierté petite nous, et petite nous. Pays plus juste, plus équitable, plus fraternel, plus productif. Allez, Joseph. C'est l'idéal, hein? C'est la réalité. C'est la réalité qu'il faut se battre pour en arriver là. Mais une réalité, on ne peut pas voir que ou bon chef d'État qui est conscient de situation, dans la façon que l'a mettait discours à terre, dans la façon que l'a énoncé discours, ou est que l'a clairement, l'a mettait les points clairement sur sa cap de pour faire en 2019. Mm-hmm. L'a clairement, l'a dit défi qui est sur
question électorale là, question amendement constitution, question apaisement social là que nous avons parlé tout à l'heure, pour permettre que eh bien si là qui faut vieux si là qui a vu une situation qui plus difficile yo capable bon aller mieux hein. Question ça yo, tout ça yo, c'est des bagages que ouais chef d'État lui énoncé en dedans discours là. Aussi il faut aussi accentuer aussi que le président République lui parlait de continuation de l'autre travail qu'a fait yo, question agricole en dans la Tibonite ou Tobek ou l'autre côté yo. Mm-hmm. Question de travaux à haute intensité de main d'œuvre pour mettre que des monde qui jouent un job dans question drainage, curage, ravine avec rivière, canal, tout ça. Mais tout ça aussi des travaux qui vont renforcer, qui vont continuer. Pour nous dire, stratégie caravane de changement, la continuer ou renforcer pendant l'année 2019. Il faut aller dans l'élection, par exemple. Okay. L'élection, le président dit, il faut qu'on arrive à organiser des élections honnêtes, démocratiques, transparentes. Maintenant, nous avons un dialogue. Mm-hmm. Hier, m'attendait un député, le 50e législature, il soulignait que si nous avons un dialogue, est-ce que nous ne pouvons pas quitter ce dialogue-là qui fait que Bazio jeté pour arriver à l'organisation d'élection? Est-ce que nous devons parler d'élection au Kounia ou même plutôt dialogue-là, parler d'élection plutôt? Qui commentaire sur ça, Daniel Joseph? À tous les niveaux, l'élection a pas un dialogue-là. Parce que le début n'a pas eu de dialogue politique. Ou d'accord que tout le bagage sur table-là. C'est certain. Cependant, dialogue-là n'a pas qu'à faire en dehors de constitution. Constitution en clair que d'où est l'élection qui fait l'an. Deuxième dimanche, si je ne me trompe pas, mois d'octobre. Dernier dimanche, mois d'octobre, pardon. Donc, maintenant, qui ça que nous-mêmes nous décidons de faire? Est-ce que le dialogue là tout, son dialogue en termes de Sankarele, en termes de ça qu'on habitue ou est déjà en dehors d'un pays d'Haïti, est-ce que le dialogue là, son dialogue qui peut arrêter là, vite à maintenant? Non. Va falloir que nous décidions que le dialogue là nous balie aux limites. Pour que l'y sorti avec document que nous sortions avec l'IA, l'y sorti avec entente nationale, ça que le président a parlé, que l'y doit qu'on limite dans le dialogue-là. Ok? Maintenant, à l'intérieur de limite, ça que le dialogue-là va gagner là, en dedans, avec entente nationale, ça que le sorti là, maintenant, toujours selon les règles de la constitution du pays, eh bien, nous tous nous connaissons qui, comment la constitution prévoit pour gagner un amendement dans la constitution. Il n'est pas fait n'importe comment. Les grands gens qui le font. D'où, eh bien, pour nous rester dans la règle démocratique, pour nous rester dans la chouette démocratique là, et pour nous capables de voir un signal, bail, voisin international là, eh bien, il va falloir que nos institutions soient intactes. Donc, pour que les institutions soient intactes, il faut qu'il y ait des élections là, mois d'octobre pour Valvin là. Maintenant, il y a une question qu'on a posée, avec qui CEP n'a fait, est-ce que c'est CEP et Léopold Bélanger dirigé à et carte d'identification nationale qui doit bailler, est-ce que la République est en bailler? Et dialogue politique, ça, est-ce que la République est en fini pour être que ensemble d'acteurs prennent confiance en système non, pour effectivement aller faire campagne? La République est déjà en janvier, je vais courir vite, l'élection là de fait en octobre. Est-ce que la privée, n'est-ce pas vrai, ou tirer sur tout irritant, pour mettre le pays à parer pour aller faire l'élection et puis bien moyen tout suffisant pour que l'élection soit faite, Daniel Joseph? Écoutez, monsieur Génio, vous êtes d'accord avec moi que. Eh bien, élection en dedans le pays d'Haïti, le plus souvent, ouais, gagne en pile par en pile sous élection. Alors que, nous n'avons pas là avec un conseil électoral, même nous n'avons pas là avec on replace dans le conseil électoral, mais ça fait quelques temps. Et puis, nous avons posé une question ça. Nous avons dit, mais pour qui ça fait toujours gagner par en pile? On dirait que chaque fois que nous avons fait élection, nous avons dit, c'est, on l'autre bagaille net. Mounio pas là encore. Régis ça pas là. Machine n'a pas là. Monsieur dit, non, mon cher, tout bagaille là, c'est seul 9 conseillers aujourd'hui. Depuis qu'on mette 9 conseillers, tout à fait, tout bagaille administratif là, c'est juste 9 conseillers qu'on mette et puis mon machine n'a réparti. Donc, je dis, question qu'on pose tête, non, Serge Mio, c'est est-ce que n'a toujours été nos marronnages pour nous capables, eh bien, faire ça pour nous faire selon les règles de l'art pour tout l'autre peuple, ou bien est-ce que nous avons responsabilité nous en tant que peuple pour nous rester dans la technicité là? Si toute machine électorale là en place, déjà, la chose ou bien élément qui va permettre que la machine démarre, c'est conseiller électoral que nous connaissons qui, il y a plus de tractation politique, en plus parlant, plus c'est consensus, c'est tel secteur où est monde, tel secteur où est monde, eh bien, en nous clair avec tête nous, que l'élection doit commencer depuis jeudi. Préparation de l'élection a commencé depuis jeudi. Peut-être qui ça? Parce que machine n'a pas travail. Question administrative, direction exécutive de CEP n'a pas là, il est là, n'a pas travail, non? Eh bien,
tout système n'a mis en place en attendant que eh bien conseil y arrive, ça veut dire consensus politique qui va le bail conseiller. Je viens de dire nous connaît gagner deux courants d'idées. La loi électorale est déjà au Parlement. Moi connais que chambre des députés a travaillé sur lui déjà. OK, il est déjà dans le Parlement. Maintenant à qui ça nous va arriver comme consensus? Est-ce que c'est conseil électoral qui l'a qui va le refaire élection? Est-ce que c'est l'autre conseil provisoire qui va le refaire? Président de la République a lui-même grand souhait que le gagner c'est à appliquer constitution. Qui lui-même nous connaît ça depuis 1987, la constitution de la République d'Haïti pas prévoit ribambelle ou bien paquet de conseil électoral provisoire. C'est ton grand conseil électoral provisoire que la constitution te prévoit. Celle qui te, ça qui t'a fait élection en 1989, sous son génie, 87, pardon. Ça qui t'a fait élection ça. Donc, pas de gagner ça là-dedans. Je dis, président Jovenel Moïse, t'as le souhait, le plus grand souhait du président Jovenel Moïse, c'est d'appliquer eh bien constitution, permettre que eh bien depuis 1987 là, pour que prochaine élection faite dans le pays, elle fait un conseil électoral permanent. Maintenant, on le sait, travail a fait déjà, il y a un pile avant c'est qui fait ça au niveau de membres de candidats, tout ça. Maintenant, j'aimerais dire là où on est très bien, en même avec vous, il y a un pile tractation politique qui fait pour question du conseil électoral là. Là nous attendons entre différents pouvoirs. Nous déjà connaissons comment la Constitution dit pour que le Conseil électoral permanent en fait, entre différents pouvoirs, qui s'appelle sorti pour que nous ayons un Conseil électoral qui peut faire élection. Mais ça qui est certain, sur le plan technique, la machine électorale est déjà en place. Et cela, tout est volonté politique, tout. Que... Maintenant, c'est ça, c'est là que dit. Au niveau de l'exécutif, la volonté politique est là depuis le premier jour. Le président de la République, Gantan, envoyé signal là clair que lui connaît qu'en deux mandats là, il y a une élection de mi-mandat. Une élection de mi-mandat dans n'importe quel pays du monde, hein, sur le plan politique, sur l'élection de sanctions que lui. Nous connaissons ça très bien. Donc, le président est préparé là, ça déjà. Et ça fait, le président fait tout le travail qu'on veut faire au niveau stratégique avant de changer pour capable de voir un signal clair à la population que, un, la réaliser et promesse électorale, deux, la continuer à faire l'autre travail dans le pays. Mais de trois, il est clair que sur le plan politique aussi, le président est voué signal là clair pour te dire, écoutez, moi-même, moi connais que m'a gagné pour moi permettre que l'élection réalisée dans le pays en 2019, voici les éléments. Loi électorale voyée dans le Parlement, et question de conseil électoral permanent, eh bien, il met en branle déjà, ou qu'on ait déjà des candidatures qui étaient voyées pour capable de choisir trois membres, tout ça, il partit. Maintenant, l'été à différents acteurs yo, pour yo jouer jouette démocratique là. Qui c'est qui ça? Ils ont élu, remplacé, ils ont élu. Et en 2019, il faut que nous efforcions nous pour nous respecter les règles de ça, qui s'est élu, qui remplacé, élu, et rentrer en 2020 avec au Parlement. Un jour de temps, parce que si la élection n'a pas eu faite, on va chambre député, puisque le député au moment fini, ou va le perdre un siège à Sénat, là, Parlement ou là, dit bah, dysfonctionnel, c'est le cas bien, on a un sénateur qui était, mais sans député ou là, il n'y a pas de fait. Mais il y a tout, puisque le mandat ou le fini, là, difficile tout, parce que ou va le mettre agent exécutif intérimaire, qui quand même fait problème en pile fois. Alors, ça aussi, c'est quand même un jeu que nous pas capable négliger. Ça veut dire l'élection par incontournable, j'en ai là. C'est la raison pour laquelle, où est président, dans le discours de fête de l'indépendance, il mettait le comme point. Elle mettait le comme point et il n'est pas mélangé avec l'autre point. Il pour contre lui. Il mettait en bloc côté qu'elle dit c'est impératif pour nous rester dans le règle jouet démocratique là, pour nous rester dans le ballet démocratique international là, pour nous voir un signal clair by voisin, voisine nous, by communauté nationale là, il faut qu'il y ait des élections dans le pays. Maintenant, j'aimerais dire là, président, à toute équipe là, exécutif là, à travail pour capable mettre en place toutes conditions pour que l'élection soit réalisée. Eh bien, je veux dire là, responsabilité chaque monde dans le jouet là, c'est permettre que Haïti, eh bien, l'IPA vienne s'arrêter en brebis galeuse dans le temps pour international là. Permettre que nous restions au moins avec image ça, que toute institution nous y a en place, y a fonctionné. Pour nous pas arriver dans la dysfonctionnalité que on va parler là, qui peut le faire que, à la sortie de 2020, et si tout le monde va mettre main l'un pat là, pour que l'élection faite, pour nous pas gagner, qui sont parlement qui dysfonctionnel, pour nous pas gagner, que c'est des agents intérimaires, j'en ai parlé, exécutif intérimaire, pour nous pas gagner, moun sa yo, pour nous gagner, toute institution sa yo en place, et pour que cette population qui votait chaque grain moun sa yo, et permettre que nous rentrer en 2020, la tête haute, et puis, pour que le travail soit capable de continuer à faire et l'institution continue à fonctionner. Donc, il est impératif
qu'il y ait des élections en 2019, en octobre qui va lui là. Parfait. Il y a déjà tout à l'heure, année pour Parlement, et bah, disons, soit amendement constitution, président dit tout. C'est aussi impératif. Pourquoi? Gagner en pile, ça ne relève des éléments dépassés. Constitution faite en 1987, nous, à peu près plus que 30 ans après. Donc, il y a des éléments. Des lois amendement qui sont faits. Qui ont été faits, mais qui n'ont pas fait en profondeur. 2009-2010. Exactement. Donc, ça veut dire que gagner des changements qui veulent faire en profondeur en demandant la pays. Si nous prenons exemple, voisins, nous, là, que États-Unis, exemple, et en dedans, constitution américaine, non, le nombre d'amendements qui fait à donner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont compris qu'à travers le temps, loi qui régit société, loi, il doit adapter avec réalité qui a évolué. Par exemple, Mabaou, les constitutions ont été faites là. Question réseaux sociaux. Ou d'accord, il n'y a pas existé. Les constitutions ont été faites là. Bon paquet de lois qui n'ont pas existé. Les constitutions ont été faites là. Où et comment est-ce que ils ont été mis en deux de constitution, gagné, eh bien, la manière dont la constitution est faite là, eh bien, diaspora. Ouais, comment est-ce que diaspora n'a pas de possibilité pour participer dans les affaires pays? Je ne veux dire diaspora son pièce maîtresse liée dans le pays d'Haïti. Et diaspora réclame à haut et fort participation dans les affaires pays. Mon pas faire comme ça. C'est de constitution liée. Donc, tout changement, ça a eu, c'est des changements qui méritaient pour nous faire, pour que société nous soit capable d'adapter avec le temps. Nous pas capable de constitution qui date de 1987. Et puis, je ne veux dire, nous en 2019, gagner des éléments, même au niveau technologique. Eh bien, constitution pas mentionnée, il n'y a pas là-dedans, il n'y a pas qu'on est qui s'allie. Parce que va t'exister. Je dis, il faut nous adapter, maman loi pays nous, à la réalité du moment pour que la société nous soit capable d'aller de l'avant. Des questions d'environnement, gagner tout simplement question écologique là. Je ne veux dire la révolution qu'a faite dans le monde là. Eh bien, je veux dire, il faut comment loi pays nous adapter à elle, alors que le pays d'Haïti est capable de vivre un pays écologue, capable de vivre un pays très écologique. Pourquoi? Ternouyo, ce n'est pas des terres qui gagnent, ça y est, l'insecticide là-dedans. Ternouyo, c'est des terres qui sont, qui produisent, manger bio. Mais est-ce qu'il y a une loi pour ça? Est-ce que la loi, nous, il faut adapter pour qu'elle nous produise, pour nous vendre à l'extérieur? Tout ça, c'est des éléments qui, journée, je dis là, qui doivent adresser, en dedans, moment, loi pays, qui pour permettre que, eh bien, ça n'a pas cherché, qui c'est mieux être là. Ni passer par là tout pour chaque donna ici. Justement, c'est mieux là et ça vous souhaitez. Nous allons refermer le programme là et Daniel Joseph, vous faites Noël, année a annoncé un pile défi captain nous, l'élection, le changement de constitution, dialogue ça qui doit aboutir. Mais finalement, la population lui, vous allez, et j'ai présenté vous mettre dans la campagne là, c'est pour gagner l'argent dans la poche lui, puis manger l'assiette. Mais à côté de tout ça, là, parce que vous connaissez l'élection, c'est crise, crise sous crise. Et nous avons réalité. Alors, il n'y a pas de comme ça. Bon, il n'y a pas de comme ça, mais il ne faut pas comme ça. Bon, mais l'histoire de ce pays, ça le montre. Maintenant, qui est-ce que tout a fait? Pendant que tout le monde est réglé, la population lui-même est capable de continuer à vivre la vie, pour qu'elle mange l'assiette, justement, pour qu'elle mange dans la poche lui, pour qu'elle arrive à la condition, bien être ça que nous parlé, plus ou moins. Bien-être là que Wapalea qui doit un bien-être permanent, doit gagner d'abord les travaux structurants qui pour mettre en place, ça veut dire les grands travaux de l'État qui pour mettre en place pour permettre que l'élément que n'a pas les là, il existe dans le pays pour permettre que l'investisseur vienne, pour l'argent investi, pour le travail qui crée dans le pays, on a parlé de route, de l'eau à courant qui doit continuer à faire et cap fait pour la Paléa, mais tout. Gagner apaisement social là de continuer. Président Dili, en dedans, budget 2018-2019 là, eh bien, gagner en pile action qui gagne en dedans budget ça qui gagne pour faire, pour permettre que population, eh bien, l'y soulager. Qui vous permettre que, eh bien, vous connaissez un mouille, j'en ai parlé de l'IA, vous connaissez un mouille, ça veut dire que vous jouez, eh bien, yon ti bagay pour Kébélan, mais yo, en attendant que projet social ça, yo, grand projet, yo, pardon, vous permettre que travail créé dans le pays, m'a parlé de programmes sociaux, t'as coutume, maman chérie, m'a parlé de programmes sociaux, compagnie solidarité, m'a parlé de cantine scolaire, m'a parlé de cantine publique mobilio, m'a parlé de restaurant communautaire, m'a parlé de courrier étudiant, m'a parlé de programme ça yo, eh bien yo en dedans budget 2018-2019 là pour que eh bien population li capable eh bien soulager pour population capable joindre yon bagaille pour le kebenamel en attendant j'en nous dit là que eh bien pour, les grands projets yo permettre que travail li fait. Mais Serginho, tout ça pas capable fait d'abord faut que budget a voté d'abord de deux. Il faut que la stabilité politique reste et demeure dans le pays. Il faut le vivre bien public, Jean-Président, toujours dit là. Pour qui ça? Parce que sans ça,
ou capable, oui, faire apaisement social en dedans budget. Et nous connaissons déjà, petit budget, nous petit, nous pas gagner en pile l'argent. Ok? Ou capable, oui, faire. Mais sous pas gagner stabilité politique là, qui vous permettre que en 2019 là, il y a des mondes, des gros investisseurs dans le monde là, qui ont le pays d'Haïti comme opportunité pour venir mettre la vente dans le pays là, eh bien, ou a toujours la courrier, ou a toujours le mettre passement. Et c'est là pour nous sortir. Et c'est là, Jean Abdil, le dialogue là est extrêmement important. C'est pour que nous soyons capables de créer des situations permanentes qui pour permettre que le travail crée dans le pays là, et que la population soit capable de travailler, gagner quasiment une population de plus de 50% de jeunes dans le pays d'Haïti. Des main-d'œuvre qu'il a. Mais au compte qui s'est passé, qui fait qu'on investisse ou qu'on compagnie par des difficultés pour venir là, eh bien, c'est l'image que nous transmettons à l'extérieur. Image d'un monde qui est stable, image d'un pays qui est toujours crasé, image d'un pays côté que si mon nom vient là, la travaille, la produit, eh bien, comment lui, il doit prendre pas 3 mois sous de l'eau là avant de réussir à traverser. Donc, dans cette situation, ça, ou pas jamais capable de gagner des investisseurs qui viennent investir. Donc, si vous avez des investisseurs qui viennent investir, ou pas créer travail, si vous pas créer travail, ou pas créer richesse tout en permanence, ou pas créer richesse tout à long terme. Donc, il est clair que, oui, président Brian a travaillé pour capable faire beaucoup d'entendre nous, il y a rivé sur la population, apaisement social, à travers différents programmes que je cite là, à travers tout, eh bien, travaux à haute intensité de main-d'œuvre, j'en t'ai dit au début, hein, qui a permis que, eh bien, des jeunes travaillent dans le drainage, curage, drainage, rivière, nous, à travers le caravane changement, il y a des jeunes tout, qui a travaillé pour permettre que, eh bien, ou senti que situation dans différentes communes, dans plusieurs communes, li changer, nous, yo joignent, yo aller mieux, même dans la question de voyagement, par exemple, mais certainement tout, il nous faut travailler à ce qu'il y ait des investissements qui entraînent dans le pays et permettent que les jeunes aient des travaux permanents, qui bien rémunérés, qui permettent que la vie soit capable de changer. Travaux de qualité. Merci à vous, Daniel Joseph, parce qu'on est bientôt disponible. Après, vous aussi conseiller en communication, président de la République. C'est un plaisir de nous recevoir matin et on fait encore tous nos voeux. Tous nos bons voeux pour l'année 2019. Merci Serge Junio, merci à vous-même téléspectateurs et téléspectatrices de la télé versant d'Haïti qui te permettent que nous sommes capables de bien échanger là. Serge Junio, merci en pile, ou même tout, meilleurs voeux, nous avons souhaité que 2019 là, nous avons plusieurs petits bas de bouche pour ça, pour nous capables de bien tirer au clair certaines questions au niveau de communication politique là, sociale et économique dans le pays et différents projets. Nous avons souhaité tout que, eh bien, 2019 là, ouais, différents projets, yo, que ces projets politiques, yo, qui c'est dialogue politique là, il réellement abouti à un pacte de gouvernabilité et puis que différents travaux qui ont fait eux continuer bien pour que la population soit capable de jouer nos mieux. Merci à tous. Voilà, président, c'est une année décisive. Absolument. Voilà, notre invité ce matin, M. Daniel Joseph, de FMG pour ça. Merci tout le monde d'être avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.